Autre mœurs, êtes-vous punk? Bon, c'est facile à vérifier, vous vous mettez en face d'un miroir. Si vous avez les cheveux courts, jaunes, verts ou rouges, si vous avez une épingle ou un clou planté à travers la joue, si vous avez de petites croix nazies dessinées sur le front, bref, vous êtes un paumé et vous êtes un punk, c'est la traduction anglaise. Et si vous êtes punk, vous serez sans aucun doute ce soir ou demain à Mont-de-Marsan pour le premier festival de punk rock, la musique de ce nouveau phénomène social. Marginal, bien sûr, comme tous ces mouvements de révolte qui se sont succédés depuis les zazous, les rockers et les hippies. Avec le punk, la philosophie est simple, révolte intégrale, toujours plus loin dans la provocation. Le punk vient d'Angleterre. Claude Gagnère, notre correspondant à Londres, a rencontré ses paumés.